Oh, mon amour, sois le bienvenu. Chérie. Désolée. Tiens, tu es fatiguée. La journée, ça a été? Repose-toi. Je vais te trouver quelque chose à manger, chérie. J'arrive. J'arrive. Hein? J'ai acheté ça pour toi et Joanne. C'est pas la pour peine. Le petit déjeuner ça de demain. Ça va pour nous. Tu peux l'utiliser, mon chéri. Non, pour moi, ça va aller. Prends-en un peu, mon amour. Laisse-moi faire. Arrête. J'ai dit arrête. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Mon amour, attends. Ma chérie, je vais au travail. Mais le petit déjeuner est déjà prêt. Je n'ai pas faim. Mais c'est un nouveau jour, tu ne vas pas te comporter comme ça. Écoute, tout le temps. Écoute, prends ça. C'est pour quoi faire ça? Aide-moi à le garder, c'est une partie du loyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oui. 13 14, 15, je sais très bien qu'il n'y a que 150 000 francs. Écoute, c'est tout ce que j'ai pu trouver pour le moment. Aide-moi à supplier le propriétaire. Hein? J'ai compris, mon chéri. Que Dieu soit avec toi. Amen, merci. Sois prudent, mon chéri. Je vais à la cité Magodo. Hein? Je vais à la cité Magodo. 7000 francs. Ah, papa, 4000. Je vous prends à 5000. Ok. Allez, montez. Ça marche. Ah. Ok, laisse-moi le temps d'aller chercher l'argent. J'arrive. D'accord. À tout de suite. Que tu peins tous les jours. Maman. Oui, ma fille. Arrête tout ça. Dieu va nous venir en aide. Nous avons déjà traversé des moments plus difficiles. Joanne. Écoute, ça ne marchera pas. Pas cette fois-ci. C'est difficile. Ça ne va pas marcher. Cette fois-ci, non. Non, ça peut pas aller comme ça. Ça peut pas marcher. N'essaie pas de me remonter le moral. N'essaie même pas. Pour une fois, essaie de me comprendre un peu. Hein?
Ton père m'a remis 15 000 francs ce matin. Du loyer pour le proprio. On lui doit 150 000 francs. S'il te plaît, dis-moi, comment devrais-je faire pour plaider? Pour supplier? Hein? Mais maman, on pourrait aller voir mon oncle. C'est hors de question. Je t'ai déjà dit de ne même pas me suggérer cela. La relation entre ton père et son frère n'est pas au beau fixe. En plus, il pourrait même découvrir que nous y sommes allés. Et il ne va pas du tout apprécier cela. Il sera très en colère, surtout contre moi. S'il te plaît, Joanne. Je reste loyale à mon mari. Oui, je sais, maman, mais nous avons besoin d'aide. Il nous faut de l'aide et mon oncle peut nous aider, c'est la famille. Ton père a l'habitude de dire que le sang nous confère des liens. Mais la loyauté fait de nous une famille. Ton père a travaillé tellement dur. Il a fait toutes sortes de boulots, rien que pour s'occuper de son petit frère, pour qu'il puisse faire des études. Au début, il était un ouvrier. Et ensuite, il est devenu chauffeur. Et enfin, chauffeur de taxi. Tout ça à cause de son frère. Parce qu'il était le plus intelligent. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui refuse de venir au secours de ton père. Il refuse de venir même au secours des enfants de son propre frère. Et pourquoi? Ils disent que nous ne sommes pas de la même classe. N'étions-nous pas de la même classe lorsque je cuisinais, que je nettoyais? Et même lorsque je lavais et repassais ses habits pour lui, lorsqu'il était élève? Joanne, je t'en prie, laisse tomber, je ne veux même plus penser à cela. Je suis surtout pas d'humeur, là. Bouh! Maman, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mon cœur, il s'est arrêté de battre. Ça a fait un bond, quelque chose comme ça, je... Maman, est-ce que ça va bien? Je vais bien, ma fille, ça va. C'est passé. Tu dois te reposer. Tiens, regarde. Prends un peu de café. Allez, vas-y. J'attends.
Ma fille, merci. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est cette peur persistante que je ressens. Mon cœur s'est encore arrêté de battre. Tu sais quoi? Je pense que je vais aller te chercher des comprimés parce que j'en ai marre. Non, je ne suis pas malade. Qui appelle encore cette fois-ci? Allô? Oui. Oui, c'est Madame Shegun. Quoi? Qui? Shegun? Mon mari? Hein? Ah non, mon mari! Quoi, maman, quoi? Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, dis-moi, quoi? Mon père a eu un accident! Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où ça, maman? Maman! Je rappelle le numéro vite! Ok. Oh, Seigneur Jésus, non! Maman, maman, quoi? On n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai encore les 15 000 que ton père m'a remis. Oui, mais le docteur a dit qu'il faut 40 000 francs et nous n'avons pas cette somme. On peut en emprunter, après tout, la mère d'Unkeshi est là. Non, 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 maman, non, pas elle. La dernière fois, elle nous a bannis parce qu'on n'a pas pu la rembourser. C'est normal, on lui devait de l'argent, alors tu t'attendais non, à non, quoi? Non, 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 s'il te plaît, il faut qu'on trouve une autre solution. Tu savais que papa était diabétique? Selon toi, qui peut nous prêter cet argent? On pourrait aller voir mon oncle. On en a déjà parlé ce matin, c'est hors de question. Non, s'il te plaît, écoute. C'est une situation de crise. Tu as bien entendu le docteur? Papa est diabétique et l'accident a presque été fatal. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à ton avis? S'il te plaît, maman, je préfère solliciter son aide plutôt que de devoir l'inviter aux funérailles de papa. Donc? Ok. D'accord. Allons-y. Merci. Je t'avais dit que c'était pas du tout une bonne idée. J'avais dit qu'il fallait pas aller chez ton oncle, mais tu ne m'as pas écouté. Tu as vu comment on a frappé au portail. Il n'a pas permis aux vigiles de nous laisser entrer. Je suis sûre qu'il était à l'intérieur de la maison. Mais dès que ce sont les enfants de son frère, alors là, il s'en fout complètement. Ok, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il est si méchant? Hein? Ça n'est rien par rapport à ce qu'il a fait à ton propre père. Ah! Non, il faut que je parle à mon frère. Écoute, ne lui dis pas ce qui s'est passé. C'est lui qui appelle. Ah, les liens du sang. Allô, Kenny? Kenny, papa a été hospitalisé. Oui. En fait, il a eu un accident. Allô, Kenny? Non, ce n'est pas la peine de rentrer à la maison. Il va s'en remettre. Fais-moi confiance, je dis qu'il s'en remettra. Fais-moi confiance, mon fils, il va s'en remettre. Maman, ça va aller. Ça va aller, maman, ça va aller. Ça va aller, maman, il va s'en remettre, t'inquiète pas. Ça va aller. Allez, rentrons à la maison. T'as de la monnaie? Oui. Tenez. Merci, monsieur.
Je n'ai pas d'argent, Joanne. Kenny, ne t'en fais pas, d'accord? Comment ne m'en ferais-je pas? Je suis son seul fils et... C'est dans ce genre de circonstances que je dois faire preuve de responsabilité. Or, pourtant... Écoute, Kenny, c'est pas la peine de culpabiliser comme ça. Tu as été appelé pour servir le Seigneur et nous t'avons soutenu dans cette voie. D'accord? La seule contribution que je puisse apporter est la prière. Et c'est largement suffisant. D'ailleurs, il y a un plan pour avoir de l'argent. Vraiment? Mmh. Comment? Tu veux parler du taxi? Non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Tu devrais le vendre, je pense que ça... Mais qui a dit qu'il fallait le vendre? Moi, je vais le conduire. Comme quoi? Comme taxi, enfin, bien sûr. Ah. En fait, je comprends pas. Tu veux donc conduire le taxi? Comme taxi? T'as tout compris. Non, je peux pas te laisser faire ça. Kenny, écoute-moi. C'est dangereux. Cette voiture n'est même pas en bon état. Si on n'y prend pas garde... Tu pourrais aussi te retrouver dans un hôpital. S'il te plaît... Non. Non. Kenny, je suis ta grande sœur. Il y a 42 secondes entre 42 secondes, c'est suffisant. Je vais conduire ce taxi et gagner de l'argent pour régler cette dette. Maman ne serait pas d'accord, tu comprends. Donc c'est pas la peine de continuer cette discussion. Maman sera d'accord parce qu'elle ne saura jamais rien de tout ça. Ne lui dis rien, d'accord? Je te fais confiance. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Allô? Allô? Où allez-vous? Allez, c'est pas grave, dites-moi où vous allez. La voie principale, vous êtes bien en taxi? Oui, oui, où est-ce que vous allez? Là, ouais, sur la voie principale, juste devant là-bas. Est-ce que vous savez vraiment où vous allez? Bien sûr. C'est bien un taxi, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, qu'est-ce que vous croyez? Ok, d'accord. Vous êtes sûr que... vous allez sur la voie principale? Vous êtes sûr que... c'est vraiment un taxi? Allez, on y va.
Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça auparavant, qu'est-ce que c'est? Regarde à l'intérieur. Ça va peut-être te rappeler quelque chose. Exactement. Alors? Je crois que... ce truc appartient au passager que j'ai déposé la nuit dernière. Un passager? Arrête de me regarder comme ça. J'ai déposé un client dans une cité et lorsque j'en suis sortie, j'ai vu ce monsieur-là dont la voiture était tombée en panne, alors je l'ai déposé aussi. Donc ce passager avait une telle somme d'argent sur lui et il n'avait pas les moyens d'aller là où il voulait aller. T'as pas compris ce que je viens de te dire? Je t'ai dit que sa voiture était tombée en panne. Mais t'en fais pas, je vais ramener le portefeuille là où j'ai déposé le monsieur, c'est bon. Ok. S'il vous plaît, je peux voir le monsieur qui habite ici, j'ai son portefeuille. Qui êtes-vous? Je suis le chauffeur de taxi. Je dois lui rendre son portefeuille, il l'a oublié. Attendez-moi un instant. D'accord. Salut, mon portefeuille. Tu l'as eu où? Vous l'aviez oublié dans mon taxi la nuit dernière. Ah, c'est vous la dame de la nuit dernière? Waouh, je suis impressionné. Vous savez, je m'en suis même pas rendu compte. Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous aviez perdu votre portefeuille avec tout cet argent, monsieur? Non. Pas du tout. Ouais. Je devrais vous récompenser. Je n'ai pas besoin de récompense, monsieur. Je gagne très bien ma vie. Bonne journée à vous. S'il vous plaît. Venez. Je vous dis, venez. Vous êtes... Au fait, je suis très impressionné par ce geste et je crois... Je crois qu'on peut travailler ensemble. Comment ça? Vous êtes chauffeur, n'est-ce pas? Chauffeur de taxi? Oui. Alors on peut travailler ensemble? Et comment? Je viens d'arriver dans la ville et j'ai besoin d'un chauffeur. Et... Vous allez me conduire jusqu'à ce que je connaisse mieux la ville, quoi. D'accord? Vous pouvez le faire, oui? Je veux dire me conduire. Vous rigolez, n'est-ce pas? Non, je suis sérieux. Vous voulez que je devienne votre chauffeur? Écoutez, je... Comme vous m'avez dit que... En fait, je veux pas vous traiter avec mépris ou condescendance en... vous donnant de l'argent, vous voyez, puisque... vous travaillez, donc vous méritez un... salaire. Donc pour vous... C'est assez bizarre que je conduise un taxi, c'est ça? Et vous voulez que je sois votre chauffeur? Non, je refuse. Non pas parce que je ne veux pas vous conduire, mais plutôt pour la simple raison que je vous ai rendu votre portefeuille avec tout l'argent qu'il y avait à l'intérieur et vous ne pouvez même pas me remercier simplement. Et au lieu de ça, vous me demandez avec condescendance si vous devez me récompenser. Alors je vous dis non, monsieur. Je refuse.
Passez une bonne journée. Au revoir. Vous êtes fidèle à vous-même. Allô, Kabiru? J'ai besoin d'un chauffeur pour 10 jours, j'ai 200 000. Ouais. Non, pas toi, je veux un chauffeur professionnel. Merci. Écoutez, je me demande toujours pourquoi vous faites ce métier, vous qui êtes une femme si intelligente et si jolie. Pour être chauffeur comme vous, c'est que vous avez besoin d'argent, c'est obligatoire. Après, c'est à vous de voir. Vous voulez que je commence quand? Aujourd'hui. Oh. Tu es rentré tôt. Ouais. Je sais pas comment je me sens. À vrai dire, je suis devant un dilemme et j'ai besoin d'en parler. Ok. Alors... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai décroché un job. Vraiment? Ouais. Comment et quand est-ce que t'as cherché un emploi? Non, j'ai pas fait de demande d'emploi, mais en fait, le propriétaire du portefeuille m'a filé un job. Joanne. Kenny, écoute-moi. Le propriétaire du portefeuille, qui pour moi, de toute façon, est l'homme le plus insolent que j'ai jamais rencontré, vient de me faire une proposition. Il est l'homme le plus insolent. Mais t'as du boulot? Non, enfin oui... L'offre d'emploi est venue juste après que nous ayons eu une petite prise de bec. Ah. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas insulté ce monsieur. Kenny, je t'ai pas encore parlé de cette offre. Et qu'est-ce que c'est? Il veut que je devienne son chauffeur. Pourquoi? C'est pour 10 jours. Mais pourquoi? Et il va me payer 200 000 francs, avec 50 000 francs comme avance. Comment? Mais... Oui, je sais bien. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre tout ça, mais... Mais j'ai accepté. Joanne. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Comme ça, on pourra facilement payer les frais d'hospitalisation de papa et toi, tu pourras retourner dans ton église. Je n'aime pas ça. Je trouve ça trop facile. Ce n'est pas prudent. Ouais, t'as raison. Mais c'est comme ça que Dieu agit, n'est-ce pas? De façon mystérieuse. Je sais pas, mais... Ça ne me paraît pas prudent du tout. Écoute, au début, tu m'as dit qu'il a oublié son portefeuille dans la voiture. Mmh. Et ensuite, qu'il est l'homme le plus insolent que tu n'as jamais rencontré. Et ensuite, il t'offre un emploi. Avec 200 000 francs comme salaire et 50 000 comme avance. Mmh. Pour moi, oui. C'est trop difficile à comprendre. C'est comme un miracle. Kenny, je te répète que c'est comme ça qu'agit Dieu. N'est-ce pas? Je sais pas. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Voici la voiture.
Allô? Oui. Bonjour. J'étais censé bien me porter. Qu'est-ce qui ne va pas avec la commande, dites-moi? La marchandise devait arriver la semaine dernière. Ah. Mmh. Ouais. Et donc? Écoute, Donald, est-ce que j'ai fait une erreur, dis-moi franchement? J'ai eu confiance en toi. Est-ce que tu es vraiment compétent ou incapable d'assumer les responsabilités que je te donne? Écoute-moi, tu as 3 jours, c'est-à-dire jusqu'à vendredi. Pas un jour de plus. Allô, maman? Ah oui, je vais bien. Oui, ça va, je m'adapte bien. Oui, tout se passe très bien pour moi. Non, non, je suis assez grand, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis... Non, non, tu n'as pas... T'inquiète, je t'assure. Ok, d'accord, maman. Écoute, je m'excuse, ça va. D'accord. Merci, maman. Ok, au revoir. Enfin, il y a quelqu'un qui a peur de... sa mère. Comment ça se passe? Ton boulot avec cet homme insolent, comment ça se passe? Oui. C'est pas si mal. Je fais vraiment pas grand-chose. Mon travail consiste à le conduire de la maison au bureau. Ah, peut-être qu'il est en train de se requinquer. Ça fait seulement 2 jours que tu travailles avec lui. J'imagine que les choses vont devenir difficiles peut-être demain ou pendant le week-end. Je ne le pense pas. On verra bien. Sais-tu que maman m'a demandé d'où est-ce que venait l'argent? Elle se demande aussi où est-ce que tu passes toutes tes journées. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que c'était un ami à toi qui... s'est senti redevable à ton égard pour lui avoir rendu un service. Et je ne lui ai pas révélé la nature de ce service. De sorte à éviter qu'elle n'ait absolument aucun soupçon et aucun doute. Tu sais que je n'aime pas mentir. Ouais, mais tu crois qu'elle a gobé cette histoire? Je sais pas. Oui. Elle me semble satisfaite. Merci, je te revaudrai ça. Ouais. À vrai dire, je me vois pas du tout m'engager dans un bras de fer avec toi. Je te connais. Ce n'était pas le cas. Bon, il faut que j'y aille. Je dois ramener mon petit patron chez lui. Ah, d'accord. Prends soin de papa, d'accord? Pas de soucis. Allez, à plus. Au revoir. Au revoir.
Vous n'avez plus besoin de moi, madame? Je dois avouer que tu cuisines vraiment bien. Ah, merci, madame. Je ne connais même pas ton nom. Oh, je m'appelle Joanne. Oh. Et quelle relation tu as avec mon fils? Je travaille pour lui, madame. D'accord. Ah. Bien. Merci pour le plat. Habituellement, mon fils commande à emporter, mais je ne peux pas lui en vouloir de toute façon, parce que je ne suis pas une excellente cuisinière. Mais le plat que j'ai devant moi, ça, c'est l'œuvre d'une cuisinière, un plat délicieux. Et c'est tant mieux. Merci, madame. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais devoir y aller. Tu peux disposer, ma puce. Ah, merci. Allô, Donald? J'ai appris que les livraisons ont été faites, alors c'est bon? Ah, bien, alors tu peux commencer à approvisionner tous les points de vente, c'est compris? Ouais? Super. Qu'en est-il du contrat avec le ministère? Donald, j'ai de grandes ambitions pour toi. Mais souvent, tu te comportes comme un gamin de 3 ans. Alors reprends en main les choses et accomplis-moi cette tâche. Garde-toi au niveau du restaurant. Je dois acheter à manger pour ma mère. Ce n'est pas la peine, monsieur, parce que j'ai fait la cuisine et j'ai laissé une part pour... Mon chéri, waouh, comment tu vas? Je vais bien, merci. Oh, Dieu soit loué. Qu'il soit vraiment loué, car je n'ai pas besoin de te demander si tu vas bien, puisque tu as l'air toujours aussi jeune. Oh, merci. C'est toujours le cas quand on dépense bien son argent. Oui, je comprends, oui. Oh, bien, tu es logé, confortablement ici. Tu trouves? Je crois que oui. J'ai l'impression que c'est un excellent boulot. Ouais, je le pense aussi. Et ton employé? Elle m'a fait déguster un petit truc. On t'en a gardé. Ah, d'accord. Alors, dis-moi, qui est-ce? C'est... Elle est juste... Elle est juste apparue. Elle est juste apparue. Ouais. Je te comprends pas. Non, je veux dire, la raison pour laquelle je t'ai pas parlé d'elle, c'est que, en fait, elle est juste, en fait... Elle est juste apparue, comme... Bien, dis-moi, mon fils, qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Elle m'aide à... Enfin, c'est mon chauffeur. Intriguant. Peu importe, comment va Roselyne? Comment est-ce qu'elle va? Je n'ai pas de ses nouvelles. Non, au contraire, j'ai eu de ses nouvelles hier. Je lui ai parlé et... Dis-moi, pourquoi est-ce que tu boudes chaque fois que je te parle de ma belle-fille? Est-ce que je peux savoir? Elle n'est pas encore ta belle-fille, maman. Ah, tu vois, tu l'as si bien dit. Elle n'est pas encore, mais elle le sera. Maman... J'ai besoin de me reposer. Mais tu dois d'abord te mettre quelque chose sous la dent. Le plat est bien chaud, j'ai pris le plaisir de le réchauffer. D'accord. Merci, maman. Demain, on a une réunion avec Aloy. Qui, le père de Roselyne? Nous? Pourquoi? Je pensais que c'était avec toi. D'accord. Quelle heure?
10 heures. Mais enfin, à quel jeu tu joues en réalité? Oh. Nous allons les soudoyer. Soudoyer? Je suis pas sûr qu'ils acceptent. Il est déjà satisfait du deal que nous avons ensemble, alors. Tu vois, ça veut dire que t'as pas compris. Tout le monde a un prix. Hmm? Vraiment? Vraiment. Tu coûtes combien, toi? Ne joue pas au plus malin avec moi. J'ai eu une bonne prof. Il est où le plat? Il devrait être au micro-ondes. Ah, oh, mais voyons, fiston. Ça n'est pas si mal. Les 20%? 20%. Eh bien, pour moi, c'est beaucoup trop. Nous avons encore 80%. Ce qui revient à 26% si on le partage entre nous trois. C'est bien ça, non? Mais on a le dessus dans le deal. Et qui est le troisième? L'associé chinois. Ah, oh, lui. Tu veux dire quoi par « oh, lui »? Bien, je peux toujours racheter son pourcentage, tu comprends? Cet associé chinois. Donc, on est devenu tellement riche maintenant qu'on achète des actions à des entreprises de gauche à droite, comme ça, là. Mais... Oh là là. On les rachète, oui. Et même plus. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, est-ce qu'on peut en parler plus tard? Ouais, c'est ça. On en reparlera plus tard, parfaitement. Ah, oh, bien. Bon, maintenant que nous sommes à la maison, est-ce qu'on peut enfin en parler? D'accord, assieds-toi. Il y a un associé silencieux. Mmh. Et qui est-ce? C'est le... Ton père était dans l'automobile. Il a créé l'entreprise avec un de ses amis qu'il avait rencontré et ils achetaient des voitures accidentées, ils les découpaient et ils les vendaient. Et parfois, ils achetaient ces voitures accidentées, ils les faisaient réparer et ils les revendaient. C'était un commerce lucratif. Ils ont tous les deux gagné beaucoup d'argent. Jusqu'à ce qu'il se fasse escroquer par son ami. Avec ses fonds propres, il a commencé ses propres affaires. L'ami de ton père, oui, il a réussi. Mais pas sans l'argent de ton père. Il s'est accaparé l'argent de ton père. Il a commencé ses propres affaires en utilisant ses contacts. Il y a eu une période difficile pour ton père. On s'est rencontrés comme ça. J'étais serveuse dans un bar où, souvent, il venait et il avait besoin de quelqu'un à qui se confier. Et peu après, nous sommes tombés amoureux. Bien... En tout cas, j'étais amoureuse de lui. J'ignore si c'était réciproque, mais j'étais tombée éperdument amoureuse de lui. Enfin, je pense qu'on s'aimait d'un amour vrai. J'avais 18 ans quand on s'est rencontrés, et j'étais vierge. Et lorsque ton père est décédé, j'ai été complètement anéantie. Parce que son ami s'est accaparé tous ses biens, son argent. Et en fin de compte, il ne restait plus rien. Alors j'ai juré. J'ai juré de lui rendre toute la justice.
J'ai juré de me venger un jour. Et puis je suis tombée enceinte. De toi. C'est ainsi que j'ai rencontré Lee. C'est qui, Lee ? Lee, c'est l'associé chinois. Par le fait du hasard, on s'est rencontrés. Il était venu au Nigeria en voyage d'affaires et lorsqu'on s'est rencontrés, il voulait m'épouser. Il m'aimait. Je ne sais pas si c'était par pitié ou si c'était parce qu'il m'aimait, mais il clamait haut et fort qu'il m'aimait. En guise de faveur à mon égard, il m'a prêté de l'argent pour monter un business. Et ton père était un homme très intelligent. J'ai appris avec lui tout ce que je sais du commerce d'automobile. Donc, avec l'aide de Lee, j'ai monté mon business. Et c'est moi qui ai développé l'entreprise. Mais j'imagine qu'il attend un pourcentage en contrepartie. Il doit forcément avoir des choses à récupérer, c'est pas normal sinon. Je veux dire, ça sent pas bon. Il y a forcément une contrepartie, de la corruption, de la fourberie. Il y a un scandale qui se prépare. Écoute, moi je ne fais pas confiance à ce genre de manœuvre. Bien sûr qu'il détient un pourcentage. Et il s'est arrangé pour me renvoyer ses pourcentages. Écoute, je détiens pratiquement toutes ses actions. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme si on trichait. Avec Aloy? Ouais, légalement, oui. Mais il n'aurait pas dû tricher avec ton père en premier lieu. Illégalement. Ah, donc c'est bien lui alors? C'est lui. Et tu veux que j'épouse sa fille? Le même homme que tu as planifié de ruiner pendant toutes ces années? Je veux qu'il souffre comme ça a été mon cas quand j'étais plus jeune. Il m'avait tout pris. J'ai toujours su que tu étais une femme calculatrice. Mais là, j'avoue que je sais même pas pourquoi je tiens cette conversation avec toi. Ils ont 20% des actions, c'est tout. Non, pas du tout. J'ai proposé de racheter leurs actions. Écoute, fiston, ils sont dans la ruine. Ils sont en faillite à l'heure où je te parle. Ils doivent beaucoup d'argent à plusieurs banques. Ils sont en train de s'effondrer. Tu as fait ton devoir. Oui. Lorsque tu veux faire couler un homme, la première chose que tu dois faire, c'est de la recherche. Savoir, c'est pouvoir. Non, non, mon fils. Non. Le pouvoir, c'est le pouvoir. J'ai maintenant suffisamment de pouvoir financier pour acquérir de la connaissance et avoir des informations sur qui je veux faire couler. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être financièrement puissant. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit. Il voudrait beaucoup plus de pourcentage, j'en suis sûr. Écoute, bien sûr, ils voudront plus de pourcentage. 20% ne leur suffira pas, ils voudront plus. Ah, d'accord. Et tu vas épouser sa fille. Écoute, je veux pas me mêler à ça, ok? C'est entre toi et lui tout ça. Il y a longtemps que tu aurais dû oublier cette affaire, et moi, mon père, c'est compris? Tu es mon fils. Alors tu peux me croire, ça te concerne. Sinon, je te raconterai pas toute cette histoire. Retiens bien ceci, la femme n'oublie pas. J'étais une enfant, j'ai traversé le désert. J'étais une enfant qui avait un enfant. Non, maman, non. Tu épouseras Rosaline. Il y aura un contrat pour renforcer l'union des deux familles. Et avant cette union, tu mourras. Fictivement. Et comme ça, il suspendra la fusion. Et ensuite, tu iras en Chine. Tout ce cirque-là, juste pour te venger d'un homme, franchement. Mais dis-moi au moins pourquoi est-ce que tu ne le fais pas tuer? Crois-moi, j'y ai plusieurs fois pensé, mais pourquoi le tuer? Si je peux l'amener à se tuer lui-même. Maman,
Je dois partir. J'irai à Abuja demain matin. Je pensais que tu m'avais dit que tu étais là pour au moins quelques jours. Bien, j'ai un rendez-vous avec un invité important, mais je reviendrai pour rencontrer Aloy. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit, fiston. Allô? Hey, je ne te permets pas de téléphoner. C'est interdit, d'accord? Surtout quand t'es au volant. S'il vous plaît, monsieur, je suis vraiment désolée, mais c'est ma mère et elle a quelque chose d'important à me dire. Je suis désolée pour tout à l'heure. Non. C'est moi qui suis désolée. Tu vas bien? Non, je viens de perdre mon père, monsieur. Mon Dieu. Je suis désolé. Désolé, maman. Ça va aller? Kenny. Viens manger. Je n'ai pas faim. Maman? Maman? Tu dois manger. Je n'ai pas d'appétit. J'ai pas faim. Mais nous devons manger. Kenny. Ça va. Laisse-le se reposer. Il est très fatigué. Kenny, tu dois garder le moral. Pour prendre soin de maman, tu sais qu'elle a pris de l'âge maintenant. C'est la vérité. C'est vrai. Toi aussi, tu dois être forte. Ton frère ne dort même
M'aime plus. Fais l'effort de dormir. Mange un peu. Je vous demande d'oublier. Tu n'es pas faim. Johan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux continuer à travailler? J'ai pas d'autre choix. Comment vas-tu? Ça va, je me sens mieux. Écoute, si tu veux, on peut suspendre notre engagement. Non. Écoute, néanmoins, je veux te payer ce que je te dois. Non, je vous en prie. Je gagne bien ma vie ici avec vous. Oh, d'accord. Tu me dois bien la gagner. Tu me la prends. Écoute, est-ce que t'en es vraiment sûr? Quoi? Bien sûr, oui. Oui, je suis sûr. Sûr de quoi? Tu vois, tu n'es même pas dans le bon état d'esprit. Je peux avoir les clés, s'il vous plaît? Merci. Dis-moi. Non, c'est trop coûteux, non. Oui. Non, c'est encore trop coûteux. Bon, je te rappelle, d'accord? Ouais. Écoute, on a trouvé un moyen de gérer ces gens. T'as entendu ça, ok? Mais tu ne dois pas te précipiter, c'est entendu? Avant que ces gens ne donnent leur matériel à quelqu'un d'autre. Tout le monde est occupé. Tu comprends ça ou pas? Monsieur? L'une des tâches les plus importantes dans la phase de planification préalable à la construction est le choix des matériaux. Et tous les entrepreneurs immobiliers le savent très bien, ça, monsieur. Cependant, j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'on peut racheter les actions d'autres entreprises, ou même ces entreprises. Alors, vous pourriez mettre cette idée en pratique en achetant vos propres machines. Ça pourra vous aider à long terme, et vous pourrez louer aussi ces machines. Enfin, c'est juste une suggestion. Nous sommes arrivés, monsieur. D'accord. Alors, je suis d'accord avec toi. Quoi? Je vais suggérer ta belle idée à ma mère de faire de la location. Vraiment? Oui. Alors, je t'invite à boire un verre. Désolée, je suis... Il se fait tard et je ne devrais pas être là. Écoute, on doit parler de ton nouveau boulot et maintenant, d'accord? Nouveau boulot? Oui, bien sûr. Quel nouveau boulot? Bon, écoute. Lorsque tu m'as suggéré de faire de la location, J'ai compris que tu méritais beaucoup mieux que ce poste. Tu n'es pas comme les autres femmes, tu es différente. Je l'ai su dès le premier jour. Et tu l'as prouvé encore aujourd'hui. Alors, je t'en prie, viens boire un verre avec moi. D'accord, monsieur. J'arrive juste le temps de prendre mes affaires. Parfait.
Tu es là. Mais vous ne m'avez pas demandé si je prenais de l'alcool. T'inquiète, c'est pas fort. Ah oui? Encore faut-il le boire avec modération. Je suis ravi de trinquer avec toi ce soir. Tu es une femme de caractère, une vraie. Une tigresse. Assieds-toi. Dis-moi une chose, où est-ce que tu as appris tout ça? C'est normal. J'ai fait des études de génie civil et je lis énormément. Je lis tout, même des choses qui ne suscitent pas vraiment d'intérêt. Quand est-ce que tu as fait tes études universitaires? Il y a 3 ans. Tu as fait un stage? Oui, il y a 2 ans. Où cela? À Jos. Et si on t'engageait pour diriger notre nouvelle entreprise lorsqu'elle sera mise sur pied? Il faut bien que tu me dises quelque chose, non? Monsieur, oui, je suis... Bien sûr, je suis d'accord. Oh, merci beaucoup. J'espère que vous n'avez... aucun problème du fait que... Enfin, je vais dire, du fait que je sois une femme. Si tu n'y vois aucun problème, alors moi non plus. Oh, merci. Merci infiniment. Et... Faut absolument que tu comprennes que... les travaux de cette entreprise dureront au moins... 6 mois environ. Non, ça marche, ça me convient. C'est à cause de ma mère, parce que... elle est très pointilleuse. Elle veut s'occuper de chaque détail. Elle veut absolument tout contrôler. Je comprends parfaitement. Merci. Et je veux que tu saches que tout a été déjà décidé. Et donc, nous allons te faire signer un contrat dans 2 semaines. Quoi? Je me disais que j'allais me débarrasser de vous dans 3 jours. Vous savez, notre contrat devait arriver à son terme dans 3 jours. Et voilà que je vois mon contrat avec vous se prolonger. Tu voulais te débarrasser de moi, vraiment? Non, c'est un glissement de langue, en fait, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, voilà. Un verset biblique? Venant de vous? Qu'est-ce que tu crois, je suis chrétien? Il y a beaucoup de choses sur moi que tu ne connais pas encore. Mais il y a aussi beaucoup de choses sur vous que je sais bien. Par exemple, il me semble qu'il soit très difficile pour vous de voir les choses qui importent vraiment. Madame la prof de français. C'est à peine si vous employez les expressions telles que « s'il vous plaît »,« merci » ou « je suis désolé ». Je suis plus un homme d'action que de parole, tu vois. Je suis... Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, j'opère à un différent niveau, est-ce que tu comprends ça? Donc je montre par mes actes que je suis désolé. Lorsque je le suis, je montre que je suis vraiment reconnaissant et je montre que j'ai besoin d'aide lorsque c'est le cas. Ça doit être vraiment difficile pour votre femme, et parce que je sais que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Donc, vous ne lui dites pas que vous l'aimez? Comment ça se fait tard? Je ferais mieux de rentrer chez moi. Ouais. Encore merci pour le verre et... De rien, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et si jamais demain tu ne veux pas travailler, pas de soucis. Ok, merci. Merci et bonne nuit. Bonne nuit. Qui est-ce? Ça doit être ma mère. Elle ne m'a pas informé qu'elle venait. Hé!
Qu'est-ce que c'est que ça? Rosaline? Mon amour. Hé hey bébé, comment vas-tu? Mon petit trésor. C'est maman qui t'a donné mon adresse? Bien sûr. Tu m'as manqué, mon bébé. Tu m'as pas prévenu que tu venais? J'ai simplement voulu te faire une petite surprise. Comment vas-tu, mon amour? Tu m'as beaucoup manqué. Quoi? Rien, c'est juste que je suis en retard pour le travail. Qui est-ce? C'est mon employé. Oh, je me présente, Roselyne. Je suis son bébé, sa meilleure amie et aussi sa femme. Alors bébé, je peux avoir les clés de la maison? Tu sais, je vais garder celle-ci, n'est-ce pas? Il va falloir qu'on en discute, d'accord? Tu peux rentrer et tu peux faire comme chez toi. On parlera à mon retour du travail, d'accord? D'accord bébé, embrasse-moi. Au revoir. Oui, à plus tard. Tuer, c'est ça? Oh. Oh. T'arrives pas à dormir aussi? C'est une bénédiction d'être jumeaux, tu sais. Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe autant? Je ne sais même pas par où commencer. Commence par le commencement. Ouais. Tu sais que je suis pas une personne jalouse, n'est-ce pas? Et... je n'ai jamais été jalouse de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, enfin, pas autant que je sache. Mais hier, j'étais tellement jalouse que j'ai même failli en mourir. Pourquoi? Jalouse de qui ou de quoi? Il a une fiancée. Elle s'est présentée en disant « Hey, je suis son bébé, sa femme, sa copine. » Ça veut dire quoi, bébé? Je pense que ça veut dire bébé. Hein? Comment tu le sais, monsieur le pasteur? Ah, oublie ça. Écoute, j'ai fait mon stage dans une école secondaire lorsque j'étais en fin de cycle au séminaire. Kenny, maintenant ça fait 2 ans que tu es au séminaire. Oui. J'étais proche des enfants, on s'entendait bien. Tu vois, ils se confiaient à moi. Ouais, je vois ça. Tu l'aimes? Aimer est un euphémisme. Il n'est pas à toi. Tu me fatigues. Ça crève les yeux. Quand je pense que l'autre jour tu m'avais raconté comment il t'avait offert l'opportunité de changer son entreprise. Tu aurais dû voir ton visage. Tu étais tellement excitée. Bien sûr, et parce que c'est un bon boulot, mais il m'a donné l'opportunité de... la voiture. Et il t'a aussi donné l'opportunité de passer du temps avec lui. Ce n'est pas rien. Tu vois, d'être proche de lui, de le connaître, et je pense que ça...
C'est ce qui a fait naître en toi ce sentiment. Tu sais, maman a l'habitude de dire, on peut mentir au monde entier, à n'importe qui. Mais le plus important est de rester soi-même. Johan, tu peux faire ça? Écoute, allons nous coucher. Allons dormir. Toi et tes interminables conseils à la noix. Je ne sais pas pourquoi tu aimes ce truc, c'est un goût horrible. Tu peux aller la diluer avec de l'eau si c'est trop fort. Même quand je la dilue, elle a encore un goût horrible. Bébé, qui est-elle? Qui est-ce? C'est Joanne? Oui. Et je te l'ai dit, elle est mon employée. Qui te conduit? Ton chauffeur? Oui. Waouh, Ford. Waouh. Tu te prends pour Kadhafi? Ensuite, tu me diras que tu veux engager une aide de camp? Hein? Roselyne, ne commence pas. Je ne devrais pas commencer. Je ne devrais pas commencer, c'est ça? Oui. Dis-moi, Ford, tu as publié une annonce? Je veux dire, est-ce que tu as envoyé un mémo ou une annonce qui disait que tu voulais une femme comme chauffeur? Et elle ne conduit pas n'importe qui. Elle te conduit toi, le boss. Et elle te suit partout comme un chiot égaré. À cause de son travail. Et tu as le culot de me dire de ne pas commencer? Écoute-moi attentivement, Ford. Dresse bien tes oreilles. Je sais que tu crois tout contrôler autour de toi, mais... C'est ce qui paraît. Mais je connais quelqu'un qui te contrôle, toi. Oh oui, ainsi que tout ce qu'il y a autour de toi. Et je suis sûre qu'elle n'appréciera vraiment pas. D'apprendre et de rencontrer ta soi-disant femme conductrice. Je suis désolé de te l'apprendre, mais en fait... Elle le sait déjà. D'accord. D'accord. Pour d'accord. Je vais dans la chambre d'amis. Justement, tu n'es qu'une amie. Et enferme-toi là-bas, t'as entendu? Bonjour. Alors, c'est quoi ton plan pour le week-end? Je travaille. Bah, et moi? Et toi, qu'est-ce que tu veux dire par toi? Ok, c'est mieux ainsi parce que... Il y a deux jours, ça faisait pas partie de tes préoccupations, tu sais bien. Tu sais bien que je travaille le week-end. Tu ne te mêles pas de mes affaires. Bien. Faisons les choses différemment. Je veux qu'on reprenne tout à zéro, donc je veux qu'on sorte. Non. Bébé, pourquoi non? Oh. Allez, arrête, tu aimes trop travailler. Roselyne, qu'est-ce qu'il y a? Fais-le pour moi. J'ai passé une nuit horrible sans toi à mes côtés, bébé. Cela me rendra vraiment très heureuse. Vraiment très heureuse. Roselyne... S'il te plaît, mais... Si tu étais à ma place, tu n'apprécierais pas ça. C'est quand la dernière fois que tu as pris un congé au travail, hein? Fais-le pour moi. Ok, ça va, d'accord. Appelle donc ton chauffeur pour qu'elle vienne nous chercher pour sortir. Non. Pourquoi? Parce que non. Elle va refuser, c'est ça? Ton chauffeur est-elle plus qu'un chauffeur pour toi? Elle ne l'est pas, j'ai dit non. Ouais. Donc appelle-la, s'il te plaît, et qu'elle vienne conduire la femme de son patron et son patron.
Elle ne travaille pas les week-ends. Ah, d'accord. Bien, tu peux lui payer son temps de travail. Écoute-moi, Ford. Tu viens d'arriver et tu ne connais pas les endroits chics. Je te dis qu'on va se perdre 5 fois par heure. On a besoin d'elle, Ford. Appelle-la. Tu dois me prouver que tu es un homme honnête. Ne me mens surtout pas. Appelle-la, bébé. Bébé! Quoi? Appelle-la. Je vais m'apprêter. J'attends. Mon bébé, tu ne dis rien. On va d'abord manger une glace, d'accord? Bébé, parle. On ira faire du shopping après. Bébé, regarde-moi s'il te plaît. Allô? Allô? Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Merci de prendre des nouvelles. Merci pour le service rendu d'aujourd'hui. Ça faisait pas partie de notre contrat, mais tu l'as bien fait. D'accord. Merci, c'est très gentil. Comment va ta famille? Oh, disons qu'ils vont bien. Dieu merci. Ford? Oui. Je crois que je suis amoureuse de vous. Allô? Allô, Ford? M'a pris. Une gaffe après une autre avec ce monsieur. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite dans ma vie. Ne sois pas gênée. Mais comment ne pas l'être, Kenny? Ce serait un autre cas si je ne devais plus jamais le revoir, mais je dois y retourner dimanche et c'est mon dernier jour de travail. Et je dois aller chercher mon chèque. J'arrive pas à oublier. Qu'est-ce qui m'a pris? Je te l'avais dit. Arrête de te moquer de moi. Ça te fait rire, n'est-ce pas? Tu as fait une toute petite erreur. Et tu te sens mal. Tu as fait une erreur. Et alors? Johan, regarde-moi. C'est auprès de toi que j'ai appris à être fort. Et je n'ai pas honte de le dire. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Tu as défié le monde. Il y a beaucoup de choses que tu as accomplies. Et tout ça sans l'aide de personne.
Et tu as fait tout cela avec une vraie dignité parce que tu es une reine. Même les reines font des erreurs. Et souvent, elles font des erreurs monumentales. Mais tu sais quoi? Une erreur monumentale est de loin plus cool que l'erreur d'une personne ordinaire. Ce n'est pas bien grave si tu fais une erreur. L'important, c'est de la surmonter. Et toi, ma chérie, tu dois te comporter comme la reine que tu es. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu iras voir ce monsieur pour qu'il te donne l'argent qu'il te doit. Et nous pourrons enfin résoudre nos problèmes. Et peut-être que je pourrai alors reprendre mon travail à l'église. Ce discours était vraiment égoïste. Mais je dois dire que je t'adore. Donc je te pardonne ton égoïsme. Oh, merci, Votre Majesté. Kenny, c'est lui, c'est mon patron, il appelle, mais qu'est-ce que je fais? Décroche ton téléphone. Mais Kenny, tu peux... Décroche ton téléphone, mademoiselle. Allô? Je suis désolé pour tout à l'heure. Tu es là? Non, c'est pas grave. D'accord, tu sais, j'avais les mots qui me manquaient. C'est pas bien grave, j'ai dit. C'est pas grave, monsieur, vous ne me devez aucune explication. Je préfère que tu m'appelles par mon nom. Alors donc, j'appelais pour présenter mes excuses. Oh, j'accepte vos excuses. Je ne voudrais pas qu'il y ait de la gêne entre nous maintenant, ce dimanche. D'accord, pas de souci, monsieur. Alors, tant mieux. Oui, monsieur, à lundi. D'accord. Maman. Comment est-ce que tu vas? C'est juste que je suis fatiguée. Très fatiguée. Ne t'inquiète pas, maman. Je te promets qu'après tout ira bien. D'accord? Merci. Rosaline, il faut que j'aille au travail. Chérie. Attends. Reste encore un peu avec moi, bébé. Non, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas me laisser toute seule ici. S'il te plaît, arrête. Bonjour, monsieur. Oh, salut, Joanne. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, monsieur. Vous m'avez appelé? Oui, bien sûr. Bien sûr que je t'ai demandé de venir. Tu sais quoi? Non, t'inquiète. Tu as l'air enthousiaste aujourd'hui. Oui, monsieur. Bon, allez, on y va. Oui, monsieur. Allons-y. Tu t'es réveillée de bon pied ce matin, n'est-ce pas? Ah, je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur. Je vois. Ça ne me surprend pas. Non, c'est juste que souvent, c'est bien de se projeter dans l'avenir avec de l'espoir. Oh, donc tu nourris déjà l'intention de m'abandonner un de ces jours? Non, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Tu as intérêt. Quelque chose ne va pas? J'ai oublié le téléphone à la maison. D'accord, si vous voulez, je vous dépose à la réunion pour que vous ne soyez pas en retard et ensuite je vais le chercher chez vous et je vous le ramène. Waouh, c'est une très bonne idée, ça. Merci. Je vous en prie, monsieur.
Causons un peu, de sœur à sœur. Oui, avec toi. Les filles comme toi, j'en vois tout le temps. Des filles comme moi? Oui. Les filles branchées, c'est comme ça que vous vous faites appeler. Des filles qui ont des relations libres. Désolée, ma chère. Ford, mon homme à moi, aime plutôt les relations très sérieuses. Et les filles comme toi? Ou les filles qui prétendent être branchées juste pour s'attraper un gars en leur faisant croire que vous êtes des êtres très sensuels et sensibles, ça ne m'intéresse pas. Désolée de te décourager, ma chérie. Mais les hommes ne se sentent pas vraiment attirés par des filles comme toi. À moins qu'ils veulent juste passer du bon temps. Non, 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 je pense que vous vous trompez sur mon compte. Oh, tu le crois vraiment? Je vois la façon dont tu le regardes. La façon dont il t'a regardé ce matin. Les lèvres peuvent se tromper, mais pas les yeux. Ils ne se trompent jamais. Les yeux sont le miroir de l'âme. Attendez, donc... Vous êtes en train de me dire que les yeux sont le miroir de l'âme. Et vous voulez dire qu'il éprouve des sentiments pour moi à la façon dont il me regarde? Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, merci! Merci pour cette information, elle est vraiment la bienvenue, vous pouvez pas savoir. Merci, on se revoit tout à l'heure. Vous en faites pas! Bye bye! Mais quel culot! Oui, je vais bien. Comment vas-tu? Non. Écoute, je te rappelle. Salut, maman. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Je vais super bien. C'est mon jour de congé. Et comment va ton père? Il va très bien. Oui. Très bien. Tu es toute belle. Merci. Tu es très belle pour mon fils, pas vrai? Oui, bien sûr. C'est normal. C'est tout à fait normal. Vous voulez prendre un thé? Oui, s'il te plaît. Merci. Je vous en prie. C'est une très belle journée. Oui, mais il fait très chaud. Il fait chaud, tu as raison. Ah, vraiment, j'adore ce genre de chaleur. Oh, ça alors, salut. Hey! Bienvenue, maman. On en parlera demain. C'est de sa faute. Maman, je te jure que c'est à cause d'elle. Elle a envoûté. Elle a totalement sorcelé. Ah, maman, si tu voyais la fille dont je te parle. Elle n'est même pas de la même classe. Écoute, ne t'en fais même pas pour ça, d'accord? Je vais... Ne t'en fais pas du tout. Je vais en parler avec lui demain. Je te promets que tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je vais tout régler. Je suis couché. Oh. Alors, tu me disais... Maman? Voici ton plat. Kenny.
Tu viens de le cuisiner? C'est juste un petit truc. Merci, mon chéri. Bien. Écoute, je ne comprends vraiment pas ta sœur, hein? Elle sort très tôt le matin et rentre très tard la nuit. Elle ne m'a pas encore expliqué la nature de son travail. Hein? Elle t'a dit quelque chose? Quoi? Moi? Mm-hmm. Elle m'a dit que... qu'elle est allée chez la mère d'Ngozi pour lui donner l'argent pour les locations des chaises pour les obsèques. Hein? La mère d'Ngozi? Oui. Elle a payé la dette? Mm-hmm. Et où est-ce qu'elle a eu l'argent? Je ne sais pas, mais je crois qu'elle a été payée hier. Ah, qui m'appelle là? Ah. On ne peut plus manger en paix, quoi. Je ne connais pas ce numéro. Il n'y a pas de nom. Laisse-moi décrocher. Allô? Oui, bonjour. Mm-hmm. Madame Clinton? Eh, quelle Clinton? Suis-je en train de... Madame Clinton... D'accord, bonjour. Hein? Attendez. Ah? Votre fils? Ah? Ma fille Joanne? Ah, Madame Clinton... La police? Eh, mon Dieu. Hein? Attendez. Madame Clint... Madame Clint... Laissez-moi parler. Madame Clint... Madame... Allô? Madame... Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qui est-ce que vous avez offensé encore, hein? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cet appel? Où est-ce que Joanne avait la tête? Chauffeur? Pour une telle femme? Pour une telle famille? Elle a fait ça pour papa, maman. Écoute... On verra ce qui se passera. Non, ne dis pas cela, hein? On aurait pu se débrouiller autrement. On aurait pu trouver notre solution. Oh... Et qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, encore? Maman? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, où est-ce que tu étais passée, toi, encore, hein? Lorsque tu sortais, où est-ce que tu partais? Maman, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas, Joanne, hein? Elle est au courant. La mère de ton patron vient d'appeler. C'est vrai? Oui. Ah! Elle a fait quoi? Écoute, à vrai dire, elle n'a pas trop parlé, tu vois. Elle va simplement... Enfin, elle a dit qu'elle allait te tuer. Parce qu'elle dit que tu tournes autour de son fils, je comprends pas. C'est quoi ça? Hein? Non, non, elle a pas dû dire cela, elle est gentille. Écoute, ce jeune homme est déjà fini.
Ça a été vraiment agréable de travailler avec vous. Et j'aurais préféré que cela se termine autrement. Mais je ne peux pas mettre ma famille en danger. Votre mère a appelé et m'a demandé de ne plus vous revoir. Je vous souhaite le meilleur pour votre vie, Ford. Joanne. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Je vais lui parler. C'est mon fils. Je sais exactement comment le convaincre. J'imagine que tu peux parler maintenant. Allez, mon chéri, écoute, Ford, à ce que je sache, Rosaline, c'est la femme qu'il te faut. Vas-y, regarde-la. Elle est instruite, elle est intelligente. Et elle est belle. Sortir avec une fille de classe moyenne, ça ne t'enverra nulle part, mon fils. Ah, mon chéri, je te jure que je ne veux que le meilleur pour toi. Tu me connais, je suis ta mère. Je pense que ce ne serait pas bien de blesser une femme qui t'aime et qui s'inquiète pour toi. Ce que tu dois faire, c'est de présenter tes excuses et d'arranger les choses entre vous. Elle t'adore, mon bébé. Aime-la. En plus, elle s'inquiète pour toi. Présente-lui tes excuses. Elle est instruite et intelligente, et elle est belle aussi. Mais elle n'est pas mon genre de femme, d'accord? Et elle ne le sera jamais. Jamais. Je veux que tu me rendes un service, d'accord? S'il te plaît, Roselyne. Allez, rends-moi un service, ok? D'accord? S'il te plaît. S'il te plaît, tu vas sortir de chez moi. Ok? Et tu vas jamais revenir. Tu m'as compris? Dis-lui. Allez, dis qu'on n'a jamais partagé le même lit. Donc techniquement, on n'est pas ensemble. Allez, cette amitié, je l'ai endurée. Mais maintenant, c'est fini, c'était pour les affaires. Je t'aime, maman. Mais j'en ai marre de tout ça. C'est indécent. Mais, maman... De quel plan parle-t-il, maman? Oh, ne t'en fais pas, je vais lui parler. Mais, maman, maman, s'il te plaît, parle-lui. Je vais lui parler, ne t'inquiète pas, d'accord? Ça va, arrête de pleurer, c'est vrai. Je vais le faire, je vais le faire. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu te voir. Comment est-ce que vous avez eu mon adresse? C'est ma mère qui me l'a dit. Elle me déteste. Peut-être un peu, oui. Mais pas autant que tu le penses. Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne le sais pas moi-même. Mais je voulais te faire une proposition. Une proposition? Oui, une proposition. Je vous écoute. Tu sais, je veux que tu sois auprès de moi, à mes côtés, de temps en temps. Ou peut-être même souvent. Oui, assez souvent, si c'est possible. Peut-être même tout le temps, oui. Alors, oui. Et... Oui. On pourrait peut-être devenir amis. Enfin, peut-être plus que des amis, en fait, même, peut-être.
Franchement, je ne comprends pas du tout. Bon. Non. Écoute, je crois que je t'aime. Waouh. Il faut que tu me dises quelque chose, là. Je ne veux rien dire qui pourrait gâcher ce moment parce que... Je sais que vous n'avez pas l'habitude de dire ce genre de choses. Je t'aime. Vous pouvez le dire encore une fois, s'il vous plaît? Je t'aime. Dites-le encore une fois. Oh mon Dieu.